Oui, oui. Non, non. Waouh. Non, 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 non. Oh, ce virus. Oh, il est relou. J'espère en tout cas que vous faites hyper attention, vous. Ne sortez pas trop. Protégez-vous, ça fait du bien. Voilà, on fait des choses aussi qu'on n'aurait pas fait de base. Moi, je sais que je prépare des papiers, je fais plein de petits trucs. J'en profite pour faire des montages, des vidéos, etc. Mais bon, on s'arrête pas de vivre. Faut pas trop y penser, faut garder le sourire. De toute façon, plus on respecte le truc, donc on sort pas, ou on fait très attention et on reste à la maison, bah ça va durer moins longtemps. Là, j'ai reçu tous vos mails avec toutes vos chutes, que ce soit en trotte, en skate, en vélo, à pied, n'importe quoi, que des chutes. Donc, c'est vos chutes aujourd'hui qu'on va regarder. Peut-être que tu te verras du coup sûrement dans cette vidéo. À mon avis, je vais bien rigoler en voyant vos chutes là. Ah là là, ça va être bien marrant. Cette fois-ci, c'est pas moi, parce que dans mes vidéos, je tombe tout le temps. Vous me voyez tout le temps tomber dans toutes mes vidéos, que ce soit pour des défis, que ce soit pour rien du tout. Je fais que tomber, je tombe tout le temps. Go. On inverse les rôles, là c'est à votre tour. Dans la description juste en dessous de la vidéo, je vous ai mis plein de liens de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Donc voilà, des playlists, etc. Donc voilà, si t'as rien à faire, si tu veux regarder les vidéos, vas-y, fais-toi kiffer, il y en a plein sur la chaîne, il y en a plus de 300. En tout cas, t'as de quoi t'occuper. À chaque chute que je vais regarder pendant la vidéo, il y aura un numéro d'affiché. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, etc. Et à la fin de la vidéo, quand vous avez vu toutes les chutes, votez dans les commentaires pour votre chute préférée en indiquant le chiffre correspondant. Allez, on commence avec la première chute, c'est parti. Alors, première chute, chute en ski. Chez nous, c'est ce qu'on appelle un faceplant. Là, j'espère que ça va depuis, mec. Hein. Allez, deuxième chute. Ah, ça, c'est clairement un faceplant. En fait, il y aura que des faceplants pendant toute la vidéo. Rémi, force à toi et ça passera la prochaine fois. Comme je le dis à chaque fois, jamais rien lâcher, toujours persévérer. Retenez bien cette phrase. Ok, on se retrouve au skatepark. Oui, le caméraman. Eh, j'espère que t'as pas blessé ou tué ton caméraman, hein. J'espère qu'il est toujours là. Ça, je l'ai déjà fait avec un pote. Un jour, j'ai réussi un trick pour une edit. En fait, à la fin, j'ai balancé hyper fort ma trottinette, mais en roulant toute droite. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait un quarter après, donc une rampe. La trotte, en fait, elle est restée toute droite, elle est pas tombée. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la rampe, elle est montée hyper haut, elle est redescendue, tac, comme ça sur le caméraman. Sa réaction, ça a été ça, c'est genre, tac, il me filme, et après, il m'a regardé, il a fait, mec, elle est où ta trotte? Et là, bam, sur son épaule. Oh, j'ai eu tellement peur pour lui. Au final, ça a été. Grosse dédicace à toi, Baptiste Lahaye. On enchaîne. En vrai, pour l'instant, c'est gentil, mais j'en ai vu qu'ils sont vraiment hardcore après. Oh. Ah. Ah. Oh, ça, ça fait mal au dos. Bon, ça va, c'est une résine, donc en fait, c'est une rampe qui est faite pour ne pas se faire mal. Mais ça, qu'est-ce que ça fait mal à la tomber sur le dos directement. Là, Johan, respect à toi, j'espère que ça va. Franchement, courageux. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ok. Ah, je sais pas comment on appelle ça en vélo, c'est peut-être un soleil. Moi j'appelle ça un soleil, ouais. C'est quand tu passes en avant, en fait il a freiné de la roue avant et en fait il est parti beaucoup trop loin. Ok, sur un banc. Allez, mon pote. Le faceplant. Il y a que des faceplants. Vous adorez les faceplants en fait. Je crois que vous kiffez ça. Quel parc en métal, ça change un peu. Oula, rater des backflips, ça peut être dangereux. En vrai, ça a été. C'est impressionnant parce que tu dis voilà, c'est quand même un backflip et tout. Mais là, franchement, sa chute, ça a été. Mais à mon avis, il a dû flipper. On est sur un skate. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je valide le montage, ce qu'il a rajouté au montage. Ah, il s'est bien pris. En fait, il a raté son trick en skate. Et après, ah, j'arrive pas à regarder la vidéo. Allez, on change. Ok, là, on est sur une chute à vélo. Je parie sur une roue. Ok, ok, une roue. Ok, ok. Est-ce que vous serez remonté direct sur le vélo? Moi je serais resté par terre et je me serais caché, je serais rentré chez moi. Après ça, moi je remonte pas sur un vélo, c'est mort. Mais bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Après une chute, sachez qu'il faut toujours refaire ce que vous avez fait. Même si vous êtes tombé et que vous vous êtes fait mal, toujours refaire la figure ou ce que vous avez essayé. Parce que sinon après, si par exemple vous faites une très grosse chute, vous êtes blessé, etc. et que vous arrêtez et que vous essayez de refaire ça dans quelques semaines ou quelques mois, vous allez avoir peur. Ça c'est pour les rotations qu'on dit ça, pour les backflips, etc. Et c'est à peu près pareil pour toutes les autres figures. Donc quand vous tombez, essayez au moins juste de remonter ou de retenter rapidement la figure. Sans vous faire plus mal quoi. Parce que sinon ça sert à rien, c'est inutile. Faut pas se refaire mal. Mais voilà, petite astuce. Avant d'enchaîner avec la prochaine chute, les bracelets S2S sont de retour sur le site. Regardez, tout le stock est arrivé. Vous les avez beaucoup réclamés, donc ça y est, sont disponibles sur mon site, le lien dans la description. Comme vous le savez, acheter sur mon site, ça permet de soutenir la chaîne, financer les grosses vidéos, les prochains défis, les prochains challenges. Donc voilà, si tu veux te faire kiffer, t'as des suites, des t-shirts, des stickers, des accessoires de trotte, plein de trucs sur le site. Positionné comme ça sur une rampe à l'arrache, avec juste un bout de bois comme ça sur lequel rouler, te tient au mur derrière pour monter sur ton skate. Ça le sent pas. Déjà rien que comme ça, j'ai peur. On regarde ça. Voilà, c'était sûr. Pourquoi t'as fait ça? C'était quoi le but?
Tu pensais vraiment que t'allais rouler après? On se retrouve à la plage l'été pendant que nous on est à la maison, donc ça fait plaisir, ça motive. Alors regarde qu'est-ce qu'il nous a fait. Oh là, je mets sur un salto. Raté. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oh salto raté, salto raté. Bon, pas très gros chute, là c'était pas un truc de ouf. Il s'est pas trop blessé, il s'est pas trop fait mal à mon avis. Allez, on enchaîne, ok, on trotte. Ça, ça arrive. Là vous êtes peut-être en mode qu'est-ce qu'il a fait en fait, j'ai rien vu, j'ai pas compris. Bah en fait regardez, je vais vous expliquer. En fait il a bien atterri, etc. Enfin il a raté sa figure. Et en fait des fois quand tu sautes de trop haut ou que tu t'y attends pas forcément, ta tête en fait, bah c'est exactement comme ça que dans ma vidéo où je vous expliquais ma pire blessure quand je me suis cassé cet os là entre autres, c'est exactement pareil. C'est quand le choc il est beaucoup trop puissant, enfin que tu t'y attends pas ou quoi. Et du coup en fait ta tête elle tape dans le guidon, tac. Et regardez en fait sa tête elle a tapé dans le guidon. Regardez si vous regardez bien. Bam. Et là il a mangé le guidon. Là il a mangé sa trottinette. Là il s'est fait mal. Courage à toi mon pote. Ok, c'est l'été, torse nu sur une trottinette dans un skatepark. Qu'est-ce que ça donne? Zipette. Zipette. Il fait super beau et tout. À mon avis tu t'es brûlé. Allez, on passe au ski. C'est l'hiver, c'est le moment. On est au ski. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, ok, il part. Il m'a l'air chaud. Il m'a l'air chaud. Il m'a l'air chaud. Oh le backflip. Oh le backflip. Oh le backflip sur le dos. L'atterrissage qui fait pas plaisir. Au moins il l'a tenté. Vous allez voir dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc abonne-toi si c'est pas encore fait. Clique sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. J'ai tourné une vidéo en ski. Ça faisait 7 ans que j'avais pas fait de ski parce que maintenant je fais de la snow scoot et du snow. 7 ans sans en avoir fait. J'étais en étoile d'or avant. Impossible d'en faire. Enfin vous allez, je vous spoil pas la vidéo, vous allez voir quand elle sortira sur ma chaîne. Mais en tout cas voilà, je ferai pas un backflip comme ça en ski direct. Oula oula, le plan en tout cas est stylé. Le mec, on sent qu'il fait des vidéos sur YouTube. On va regarder ça. Ok, il est posé sur sa moto. Oula oula oula. On a entendu ce oula, donc il s'est fait mal à mon avis. Pour le moment, il a pas rigolé, il était pas content. Mais faire attention en moto, tout ce qui est deux roues, c'est très dangereux. Oula 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 oula. Le prochain, la phrase qui m'a marqué dans le mail. Le petit que j'ai balayé, c'est un pote à moi et il est consentant. What? La phrase fait flipper parce que de base, une balayette, c'est ça. Ça fait mal et déjà c'est pas cool. Donc j'espère qu'il l'a pas fait exprès. On va regarder tout de suite la vidéo. Ah, c'est dans un parc. Ah, il y a de la trotte. Mec, j'espère en tout cas que ton pote, enfin le petit, il va bien. Parce que, oula, la balayette qui s'est mangée. Oh là 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 là, j'aurais pas aimé. En tout cas, je viens de voir que c'est un pote à moi, Lucas Blanchard, avec qui je suis allé faire une vidéo à Corby un jour. Mais mec, la chute, elle est incroyable. Attends, je vous regarde. La réaction du petit, elle me tue. Il crie et il fait arrêtez. Arrêtez. Tu veux arrêter quoi mec? S'il vous plaît, pour lui, mettez plein de cœur sous cette vidéo, bombardez les commentaires de cette vidéo avec plein de cœur. Incroyable. Voici une chute pour ta prochaine vidéo. Est-ce que tu pourrais me faire une petite pub pour mon Instagram? Alors si ta chute allait bien, je te fais une pub. Oula, alors là, il a créé sa rampe, c'est dans un jardin. Il y a un matelas à côté. Pourquoi un matelas? Non, me dis pas que tu vas faire... Non, tu vas pas faire une rotation sur ça quand même, attendez. Oui, oui. Non, non. Waouh. Non. Non, 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 non. Attendez, on regarde ça. Waouh, le backflip. Waouh, waouh, wow, attendez, attendez, j'avais pas vu la tête. Ah, ça c'est hyper dangereux. Vraiment faites attention sur les backflips. Regardez, regardez à la fin de la vidéo. Regardez là comment ça s'est mis sur pause. Vous avez vu ce moment là où son corps il est tout droit, la tête la première, ça c'est hyper dangereux. Mais faites gaffe. Putain, mais vous êtes inconscient. Mais vous avez raison. En vrai, dans la vie, faut essayer, faut tenter, faut faire quand même attention parce que là ça peut être dangereux. Il a fait le truc à ne jamais faire quand tu fais une rotation avec une trottinette. Quand tu fais un backflip ou un front flip, ne jamais lâcher la trotte. C'est soit tu vas et t'es à 300% et tu fais ta rotation, soit tu vas pas du tout. Du coup, grosse pub pour toi mec. Allez lui donner de la force sur son Instagram qui s'affiche à l'écran. Allez le voir. Je t'envoie cette vidéo de moi. J'ai essayé backflip sur le dur. Ceci est mon deuxième essai. Je tape l'épaule par terre, trauma crânien, perte de connaissance pendant plus de 5 minutes. Je me suis réveillé à l'hôpital Montfermeil où j'ai appris que j'avais une amnésie rétrograde. Ah oula, j'ai pas encore regardé la chute. En tout cas, gros respect à toi. Regarde ça. C'est au skatepark Locosa Nostra à Paris, je le reconnais. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Gros ralenti, gros ralenti. Déjà, il a un sac. Pourquoi t'as un sac sur le dos alors que tu veux faire un backflip? Ok, ça part bien. Non, non, ça part pas bien. Non, 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 t'es trop lent, t'es trop lent, t'es trop lent. Va plus vite, va plus vite. Je sais pas si vous avez vu, en l'air il a réussi à se tourner. Donc en fait il est parti droit, il a vu qu'il était beaucoup trop lent, qu'il avait mal lancé son backflip. Du coup en l'air il a réussi à se mettre de côté pour pas atterrir sur la tête. Mec, t'as eu grave de la chance en tout cas. Mais faites gaffe sur les backflips les gars, vous balancez pas comme ça à l'arrache hein. Mais en tout cas c'est marrant, belle chute. Et il s'est quand même bien fait mal apparemment. Oula les backflips. Oui, oui.
Oui. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Salut mec, je m'appelle Nicolas. Gros big up à toi Nicolas. Voilà, petite chute en bac. Petite, c'est pas une petite chute ça mec. J'ai fait un malaise dans les airs, ce qui m'a permis de rien me casser parce que j'étais pas contracté. What? Mais attendez, 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 on regarde la chute. Le mec, il a fait un malaise dans les airs. C'est la première fois de ma vie que je vois une chute comme ça. Mais what, c'est un truc. En fait, regardez, il a lancé son backflip. Son backflip était raté, il a lâché la trotte. Et à mon avis, il a dû trop avoir peur en l'air ou un truc comme ça. Et vous voyez ses bras, ses bras qui ne bougent pas, ils tombent comme ça. Et en fait, ça se voit qu'en l'air, son corps il a lâché, que bah, il comprend plus rien. Il a dû faire un malaise ou un truc comme ça, il a raison. On regarde. Ça c'est un truc de ouf. Ça, ah. Les pires chutes en fait, c'est vraiment sur les backflips hein. Gros 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 soutien à lui, mettez un maximum de likes sous la vidéo juste pour lui. Bombardez cette vidéo, faites lui plaisir. Je sais qu'il regarde cette vidéo, donc bombardez la barre des pouces bleus sous cette vidéo. Franchement, gros 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 soutien à lui. Nathan Beauregard, un pote qui m'envoie sa vidéo. Là qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est en trotte bien sûr. Ok, pas mal de marche comme d'habitude, un gros rail. What? Why? Why mec? Wow. Nathan, d'où t'as fait ça? Alors ce mec est beaucoup trop fort en rail, il tue tout, voilà, vous avez son Instagram qui s'affiche. Attends, tu m'as envoyé une deuxième vidéo, est-ce que c'est un deuxième plan? Ah, c'est un ralenti, on regarde. Ouais, ouais, ah il a mangé, ah t'as mangé le sol là. J'ai un pote, il m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, mec, regarde là, absolument, c'est un pote à moi qui est tombé en vélo. Oula, c'est sûrement la dernière chute de cette vidéo. Allez, je décale. Oh là, il a un petit sale. Ça va, mon gars? Waouh, 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 j'ai rien d'autre à dire. Sa tête en plus à la fin elle part en arrière. Oula, la chute elle est vraiment énervée. Elle est hardcore, c'est vrai qu'elle est hardcore. Si jamais il y a un maximum de likes sous cette vidéo, je referai une partie 2. Et dans la partie 2, j'annoncerai le gagnant. Parce que oui, la chute qui aura le plus de votes dans les commentaires, il gagnera un très beau cadeau. Donc le choix du gagnant, il est entre vos mains. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Nous on se retrouve comme d'hab tous les dimanches à 11h11 sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Allez, bon confinement à tous, faites attention, ne sortez pas, reposez-vous bien. Et moi je vous laisse, du coup regarde, tu peux t'abonner en cliquant sur la tête qui s'affiche juste là. Et tu peux cliquer juste ici, regarde, tu as deux vidéos, voilà, qui sont deux de mes dernières vidéos, t'as ma dernière vidéo de ma chaîne YouTube et une autre vidéo, voilà, regarde, tu peux regarder, tu peux faire ton choix et te faire kiffer pour le confinement. Ciao.